God, He wake us up, give us strength and health. Il nous a réveillé, il nous a donné de la force et de la bonne santé. And He made it possible that we should come to His house. Et il a rendu cela possible que nous puissions venir dans sa maison. Last week, la semaine dernière, we reviewed some texts on giving of our first fruits. Nous avons révisé certains textes concernant la donation de nos prémices. Well, we saw the two commandments and two blessings. Premièrement, nous avons vu les premiers commandements, les deux premiers commandements et les deux bénédictions. The first one is, premièrement, le premier est, we saw two commandments and two blessings. Nous avons vu deux commandements et deux bénédictions. Which is the honorary worship and command from God. Qui est donc l'adoration d'honneur et le commandement de Dieu. Don't forget that. Ne devons pas oublier cela. It is in Proverbs 3, verses 9-10. Cela se trouve dans Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10. Then we also saw the law and order of first fruits. Et aussi, nous avons vu la loi et l'ordre concernant la donation des prémices. And how to practice it. Et comment pratiquer cela? We saw it in Deuteronomy chapter 26. Nous avons vu cela dans Deutéronome chapitre 26. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Then we also saw the earlier commands of first fruits, the Bible. Nous avons également vu les commandes, les commandements de début concernant les prémices. Et là maintenant, il y a pas beaucoup de temps pour faire des jambons. Nous avons vu Exodus 22, verset 29. Nous avons vu dans Exode chapitre 22, le verset 29. Il y a pas seulement ces commandements, il y a d'abord le verset 29. Il y a aussi dans Exodus 23. Verse 19. Et aussi dans Exode chapitre 23, verset 19. Then also Exodus chapter 34, verse 26. Et aussi dans Exode chapitre 34, le verset 26. Then we also saw the restoration of first fruits in the time of Nehemiah. Et nous avons également vu la restauration des prémices pendant le temps de Néhémie. Et il y a d'accord pour comprendre Dodo le Néhémie après Gabriel. Nehemiah chapter 10 from verse 35-38. Et cela dans Néhémie chapitre 10. À partir du verset 35 jusqu'au verset 38. That is what I just want to talk about a little before we pray. C'est de cela que je voudrais parler un peu avant que nous ne prions et que nous clôturions. The other day, I just thought it and. So we go back to it now with our Bibles. Let's all open chapter 10. Donc, la dernière fois, l'autre jour, pardon, j'ai juste touché cela. Et donc maintenant, nous allons tous y revenir. Prenons tous nos Bibles et allons dans Néhémie au chapitre 10. Néhémie
And we will read 35 to 38. Et nous lirons à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. There should be restoration of things in our lives. Il doit avoir la restauration des choses dans nos vies. As we worship God, pendant que nous adorons Dieu, just like the journey of the Israelites, juste comme le voyage des Israélites, and how they worship God and the experiences that they went through, comment ils ont adoré Dieu et comment ils ont expérimenté les choses qui sont survenues dans leur vie. Little by little, they begin to wave away from some informal things of their worship. Petit à petit, ils avaient commencé par s'éloigner de certaines choses importantes de leur adoration. Even so, it is also in our time. Bien que cela soit même, cela est le cas aussi dans notre temps. It is the same way in our time. C'est la même chose dans notre temps aussi. You find out that little by little you begin to slow down in talking important things. Tu vas te rendre compte que petit à petit tu es en train de reculer un peu, de freiner un peu, d'être un peu de plus en plus mou concernant certaines choses. Avant de dire ben bébé bella, il était alors bretonno alors. It affects the way we are eager to read the Bible and study the Bible in our private times. Et cela affecte la façon dont nous avions au début fait de lire nos Bibles pendant ou bien de faire la pratique de la Bible pendant le temps. Et ça va on adore. It begins to get slow. Voyez que cette envie, cette fin de lire la Bible là, commence par ne plus exister. Ça se ralentit, ça diminue. Et dit la Bible, mais comme dit la ce soir, about our prayer life, it also happens. Concernant nos vies de prière, cela se passe aussi. Well, you know, it happens on me. If it never happens on you in those areas, bless you with it. That's great. Alors, tu sais, bon, si moi cela m'arrive et qu'aucun d'entre vous ne passiez dans cette chose-là, que cela ne vous arrive pas, alors que vos vies soient bénies. You are great. Alors vous êtes des grands. It affects our giving. Cela affecte aussi notre donation. Our tithing. No deal. Becomes a thing. It's difficult for you to give your tithes. Il est arrivé un temps. Est-ce que c'est difficile pour toi de donner ta dîme? And on. Et bien d'autres choses encore. Even our church going. Même le fait que nous venions à l'église. It affects them all. Cela les affecte tous. And there are others who serve in other ministry duties. Et il y a d'autres qui servent dans de différents ministères. Et à Manoli, où on a
ne supposons pas un bobo. In the choir, in the ushering, and on and on. Dans la chorale, au niveau du service d'accueil et d'autres services encore. You don't want to do, you don't feel active to do it again. Vous allez vous sentir vraiment désintéressé, vous ne serez plus actif de pouvoir faire cela. Some stay in that situation until the dire situation. Certains demeurent dans cette situation, dans cette latence-là, jusqu'à ce qu'ils ne meurent spirituellement. Others also discover it and then they get up to revive themselves. D'autres aussi découvrent qu'ils sont en train de refroidir et ils se réveillent et reviennent de fort belle manière à cela. Let's say here that it is important that we don't stay in those times like that and die. Mais disons ici que c'est très important que nous ne demeurions pas dans de pareilles situations, dans de pareilles choses, juste à mourir. Comment grossir elle veut vivre? In life, there are challenges like that. Dans la vie, il y a des défis pareils à cela. In our physical living, there are times we don't even like to eat. Dans notre vie physique, il y a des jours, il y a des moments où vous n'avez même pas envie de manger. You say that the whole week, the whole month, you have no interest in food. Vous allez vous rendre compte que durant toute la semaine, durant tout le mois, vous n'êtes pas trop intéressé par la nourriture. But you have to eat. Mais tu dois manger. Otherwise, sinon, you know the consequences that will follow. Vous savez les conséquences que cela va apporter à votre santé. And then, sometimes we share it with others. Et des fois, nous partageons cette situation-là avec d'autres personnes. Then we encourage one another. Et ce faisant, nous nous encourageons les uns les autres. Et là, c'est un homme-là, mais toi, mon Seigneur, vous savez, nous, très, et bien, il y a notre et nous disons souvent à nos bien-aimés, même si tu n'as pas envie de manger, force-toi, prends quelque chose, sinon tu vas tomber malade. And we try to give other advice and encouragement so that the person can do something about the situation. Et nous essayons de donner d'autres conseils et d'autres encouragements afin d'amener la personne à faire quelque chose et à manger obligatoirement quelque chose. Et nous donnons des conseils, des encouragements afin d'amener la personne à faire quelque chose concernant la situation. It should be the same thing in our worship and spiritual life also. Cela est la même chose aussi concernant notre vie spirituelle et notre vie d'adoration. Yes. Do something. Fais quelque chose. About the weakness that comes into your life. Concernant cette faiblesse-là qui est entrée dans ta vie. Do something. Fais quelque chose. About the discouragement that is coming into your life. Concernant le découragement qui est en train de survenir dans ta vie. The discouragement, the weakness, and so the retrogression and all that will not do good to
your spiritual life. Le découragement, la faiblesse, la rétrogradation et bien d'autres choses là ne feront pas du bien à ta vie. So do something. Alors fais quelque chose. Alléluia. Amen. Tell your friend beside you that in times of weakness and discouragement, do something about it. Dis à ton frère à côté de toi, pendant les moments de faiblesse et de découragement, fais quelque chose à propos de cela. Ne reste pas, ne demeure pas dedans comme cela.
Hallelujah. Amen. Because the devil is very happy when he sees God's children broken down. Parce que le diable est super content quand il voit les enfants de Dieu complètement brisés. La peine dit John Satan a l'air de faire. Il ne veut pas mal vivre ou bâtir à lui. That's what he wants. C'est ce qu'il veut. Et oui, dis-moi, Léma. But we can do something. Mais nous pouvons faire quelque chose concernant cela. Alléluia. Amen. We are not ignorant of the devices of the enemy. Nous ne sommes pas ignorants concernant les moyens, les stratégies de l'ennemi. We must live as people who are prudent and alive. Nous devons vivre comme des personnes prudentes et qui sont vivantes. Elle est maintenant la paix. Après, à meilleur jaillir. Ayez pour la paix. Elle est à belle au mène. Yes, hallelujah. Amen. That is very important. C'est très important. Now, with Nehemiah here, avec Nehemiah ici, things happen. Des choses s'étaient produites. Un nouveau travail. L'ennemi attaque them. L'ennemi les avait attaqués. Destroyed them. Les avait détruits. Their homes and their chapels and their walls were all broken and bent down. Leur maison, leur chapelle, les murs qui entouraient, le même, tout était complètement détruit, brisé et brûlé. They were economically destroyed. Ils étaient économiquement détruits. Nobody can work again. All their farms, their work were all destroyed. Personne ne pouvait encore aller travailler. Tout leur champ, tout ce qu'ils faisaient comme travail, tout était complètement détruit. Mais maintenant, on va In short, they became people in poverty. En bref, ils étaient devenus des gens vivant dans la pauvreté. Many of them were captured and carried away. Beaucoup parmi eux ont été attrapés, capturés et amenés loin. So, those who can be there to help one another, Lord, they know. Alors, ceux-là qui pouvaient être là et s'entraider les uns les autres, tout cela, les bras forts là, ont été complètement enlevés. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. If those who can be there to help you are no more there, God is always there. Amen. Même si ceux-là qui doivent être là pour t'aider ne sont plus là, Dieu est là et il est là pour t'aider. Amen. Thank to him. Remercie-le. Thank to him. Tourne-toi à lui. And he will respond. Et il répondra. He will bring help from nowhere. Il va amener la santé de nulle part. Help. Il va amener le secours de nulle part. Blessings you don't even think of. Une aide dont tu n'as même pas idée. Help cometh from the Lord. L'aide ou le secours vient du Seigneur. When you read that, this is in the psalm. That psalm does say that I lift up my eyes to the hills and I ask, where comes help?
from the Lord. C'est dans les psaumes que cela est écrit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et la réponse est, le secours me viendra de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. So, for these people here, alors, pour ces personnes ici, et à ta mission, la fille là, help came. Le secours est venu. On a le va. When they call upon God. Quand ils ont appelé Dieu. Et si on leur parle, and people, don't raise people, give them strength, give them knowledge, give them charge to go in there and do something about the situation. Et Dieu a suscité des gens, leur a donné de l'intelligence, leur a donné de la force et les a chargés d'aller et de faire quelque chose concernant la situation. Et malformé, and they were faithful. Et ils étaient fidèles. And they went in. Et ils sont entrés dedans. And God supported them by His own divine provisions. Et Dieu les avait soutenus par sa provision divine. Et d'apporter la restauration. Life returned back to normalcy. La vie est revenue à la normale. And people begin to wake up and say, thank you, Lord, for today. Et les gens ont commencé par se réveiller et ils ont commencé par dire, merci Seigneur pour cette journée. Et à mon Dieu, fort. People were able now to go to bed and sleep in the night and have some sleep for new health. Et des gens sont en mesure maintenant la nuit d'aller se coucher et de pouvoir dormir, d'avoir au moins de bénéficier au moins d'un sommeil pour leur santé. Do you understand what I mean by all those illustrations? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire par toutes ces illustrations? Let God bring you the understanding. Que Dieu vous apporte la compréhension. But then, when God began to do such things, alors, lorsque Dieu a commencé par faire de pareilles choses, there was an important or some important things that have to be restored back to the worship life of the children of God. Donc, il y avait une chose, ou bien il y avait certaines choses très importantes qui doivent être restaurées dans la vie d'adoration des enfants de Dieu. Nous devons fier de lui. Alors nous devons fier de lui. On lève pas trop d'orgueil, le mauvais homme souvent pas de mal. And when they are able to restore those things, et s'ils sont en mesure de restaurer ces choses, et maintenant dans donc si on doula, they can have their blessings. Ils peuvent avoir alors leur bénédiction. They can have their own security. Ils peuvent avoir leur propre sécurité. And protection. Et protection. They can have the security of the blessings of God to stay with them. Ils peuvent avoir la sécurité des bénédictions de Dieu et demeurer avec ces bénédictions. And they can have a life of abundance and increase. Et ils peuvent donc avoir cette vie d'abondance et d'augmentation. What did the scripture tell us? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Jesus says, I come to give life and life
in abundance. Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus Christ So it is not only sufficient for God to raise people to do some things about our lives and situations. Alors, cela ne suffit pas seulement à Dieu de susciter des gens pour faire quelque chose ou certaines choses concernant nos vies et nos situations. Et à ta main souffrant, maintenant on n'a pas mon nom de titre. Maman, on n'a pas de nom de titre. It is also very, very, very important that you must stay in the presence of God. C'est aussi très, 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 très important que vous aussi, vous puissiez rester dans la bénédiction. So you go to the prophet, you go to the pastor, you go to whoever, you do some things, and then you get some miracle or something happen. Is that all about life? Alors, tu vas vers un prophète, tu vas vers un pasteur de faire quelque chose, de faire un miracle. Est-ce là tout ce que tout ce qui concerne la vie? Et ta vie même, et le pasteur de bon, alors les là, n'importe là de bon, ben on nous quoi, nous on est là au fond. Et ma quoi, vous êtes venu à quoi? Ma quoi, c'est le mal. You need more than that. Tu as besoin plus que cela. Et viens nous trouver. You must grow in the blessings and the grace of God yourself. Tu dois grandir dans la bénédiction et dans la grâce de Dieu toi-même. Et là, on tombe là, naturellement, mais il y a une préférence, mais nous sommes. Hallelujah. Amen. You can keep running always to people to do it for you, all your life. Tu ne peux pas toute ta vie continuer pas courir vers des gens pour leur demander de te le faire. Madame, what we are talking about is that our boy is going to win our. Hallelujah. Amen. You must live as a child of God. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. In whose life is God's blessing? Dans la vie duquel il y a la bénédiction de Dieu. Moving forward in the pain and in the blessings of God. Avançant dans la foi et dans les bénédictions de Dieu. Mais si nous sommes dans le monde, prophet or no prophet, for instant miracle, he's moving and growing, overcoming, and God's miracles are growing and moving with him. Qu'il y ait prophète ou pas de prophète, pour te faire des miracles instantanés, alors cet enfant de Dieu-là doit pouvoir grandir, dominer les tentations, dominer, percer, avancer dans la bénédiction. That's what God is building us for. C'est pour cela que Dieu est en train de nous bâtir. Hallelujah. Amen. And so after all things God has used Nehemiah and go for. Well, après tout ce que Dieu a utilisé Nehemiah et les autres pour faire. Et nous sommes maintenant. He needs to establish something in their life. Il a besoin d'établir quelque chose dans leur vie. Et il y a maintenant. He needs to restore them back to the ways of blessing. Il a besoin de les ramener sur les voies de bénédiction. To restore back the ways of the blessings of God. And the life of the people. Wa trombo ya yirako monte le ando ba bene. So that they can walk in it. Afin qu'ils puissent marcher dans cela. Et en walking in that, they will be able to overcome the normal, natural, petty challenges. Et en marchant dans cela, ils seront en mesure de surmonter les défis normaux et les petits pépins de la vie. Et laissez-moi, les autres, laissez-moi là, moi, tant à vous, à peu près.
They cannot always depend upon Nehemiah for everything about their lives. Ils ne peuvent pas continuer toujours pas dépendre de Néhémie pour toutes choses concernant leur vie. Comment Néhémie dit à ma demande, Néhémie a dit pour nous chambrer comme nous avons demandé là. Oh, non, non. Ah oh. Hallelujah. Amen. They must be able to live sufficiently in God by themselves. Ils doivent être en mesure de vivre de manière autonome en Dieu pour leur propre vie. Le bénin, le ici, le maumet, things to do. Alors, il y a des choses à faire. And so, see one of the things that Nehemiah restored back into their worship life. Par conséquent, voyez l'une des choses que Néhémie a restauré dans leur vie d'adoration. Verset 35. After Nehemiah set in order many few other things, après que Néhémie ait mis en place certaines choses, he continued and said, il a continué par dire, et il dit maintenant, go and bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of our trees year by year unto the house of the Lord. Nous résolus d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Every year, chaque année, no matter the situation, you have to restore this worship back into your life. Néhémie leur a dit, quelle que soit la situation, vous avez besoin de restaurer cette adoration. Vous avez besoin de restaurer ceci dans votre vie d'adoration. Néhémie a dit, then he continued to say, and also the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the first fruits of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God. Et il a continué par dire, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. And he continued to say, and then we should bring the first fruits of our dough and offerings and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil unto the priests, to the chambers of the house of our God, and the tithes of our ground unto the Levites. And the same Levite must have the tithe in all the cities of our tribes. Verset 37 continue par dire, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Nous avons
And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites take his tithes. And the Levite shall bring up the tithes of the tithes unto the house of our God, to the chambers, unto the treasure house. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, of the oil unto the chambers. Where are the vessels of the sanctuary, and the priest that minister, and the potter, and the singer, and we will not forsake the house of our God. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les potiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. God according to his word. Et nous enseignons la manière
par rapport ou bien en se référant à sa parole. Et bien le bien confiant allez comme ça souvent maou à parler on le dit le peuple là mais elle and the people here they said when Nehemiah gave them the instruction of restoring they willingly accepted et les gens ici selon ce que nous avons lu il est dit que lorsque Néhémie leur a donné les instructions, ils ont volontairement accepté suivre ces instructions. Et amen, le fils Adam, avec les premiers prêts, on pourrait bien Néhémie à Fiao, nous Fiao, alors moi je Fiao là, pour l'enfant avec, nous avons fait avoir dit. Their lives were restored. Leur vie ont été restaurées. Their homes and their towns and their, you know, dwellings were restored. Leur maison, leur ville, leur existence même, leur milieu, tout là où ils vivent, tout cela a été restauré. And they became great again. Et ils sont redevenus un grand peuple. They rose up once again as people. Et ils se sont levés encore une fois comme un peuple. No matter what the devil, the enemies have destroyed already for them, they all get up again as a strong people. Peu importe ce que l'ennemi, le diable, avait eu à détruire dans leur vie, peu importe cela, ils se sont encore relevés. Et ils se sont levés comme encore un peuple. Et là, nous s'y foutons à nos sangs, plein le roi de Mola, nous t'as dit qu'il n'y a qu'un avec le corps de KNN. Alléluia. We will arise again. Nous allons nous lever encore. Nous t'as dit qu'il n'y a qu'un. We will arise again. Nous nous leverons encore. Nous t'as dit qu'il n'y a qu'un. As a people of God. En tant que personne ou peuple de Dieu. Le membre du commandement. We will become stronger and stronger. Nous allons devenir forts et plus forts encore. Nous attendons la commission de Dieu. Alléluia. Miracles will be returned to our lives. Les miracles vont revenir dans notre vie. Nous pouvons attendre pour notre domaine. Faith will grow and rise up in us. La foi va grandir et se lever en nous. Parce que Archie est un petit peu le même. Must obey God. Mais nous devons obéir à Dieu. And do what He asks us to do. Et faire ce qu'il nous demande de faire. And if we do it, et si nous le faisons, et nous, and we continue to do it, et nous continuons par le faire, et nous, then we will hold Him responsible. Alors nous allons le tenir responsable. We will hold him responsible. We will hold him responsible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh,
away from them by the enemy. Qui que ce soit, ou quoi que ce soit qu'ils avaient, ou qu'ils étaient, leur ont été complètement arrachés. Nous sommes un peu aussi nous là, tout à la parole aussi quelqu'un. Yet, there came a time. Mais, il est venu un temps. Il y a le temps. Time is with you. Le temps est avec toi. Et il a le beau. And you know how to respond and use time for us in a better way. Et tu sais comment répondre et utiliser le temps pour nous d'une bonne manière. Et il y a le Because a thousand years is like one day before you. Parce que mille ans sont comme un jour devant toi. You came in for them. Tu es entré pour eux. Et qu'est-ce que maintenant? You restored them. Et tu les as restaurés. Et de dehors. Today we also pray. Aujourd'hui nous aussi nous prions. Et de la meilleure manière. Come in, oh God. Viens, oh Dieu. Et qu'est-ce que maintenant, oh Mahou? Come in, oh God. Descends, oh Dieu. Oh, qu'est-ce que maintenant, oh God? Intercede, oh God. Interviens, oh Dieu. Oh, qu'est-ce que maintenant, oh God? Pray your divine intervention. Amen. Ton intervention divine. Let the divine intervention change things over here. Que ton intervention divine change les choses. Oh, mama, put the government from war. You bring every hopelessness to hopefulness. Et amener tout désespoir en espoir. Seigneur, nous te remercions. The responsibility of our worship life that has been restored to them. Que la responsabilité de notre vie d'adoration qui a été restaurée. Maintenant, nous avons souvent votre dotation et que pas de voilà. Let it be the same for us. Que cela soit la même chose pour nous. Teach us to worship you according to your own standards. Enseigne-nous à t'adorer selon ton propre standard. Open our minds and our hearts to understanding of your worship. Ouvre nos mentalités et nos cœurs à te comprendre et à comprendre ton adoration. Help us to know the truth and that the truth will lose us and set us free. Aide-nous à connaître la vérité afin que cette vérité nous délivre et nous rende libres. Lord Jesus. Oh Jésus. We thank you. Nous te remercions. We belong to you. Nous t'appartenons. And we shall be for you forever. Et nous serons pour toujours à toi. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oh, Jehovah, et Jacques, oh, Dieu, ni oh, mi engeloi, aye mi oh, Jehovah, mi nyuma, oh, Jemi, se ma.